Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Non mais genre la fille qui fait semblant de bailler. Donc comment vous dire, il y a eu un petit problème avec OBS. J'avais tourné le premier jour, donc le 26 quoi, tout simplement. Et j'ai tout simplement eu assez d'argent, vous voyez. J'ai ramassé mes champs, etc. Donc j'ai rien replanté parce que clairement, voilà, c'est un peu problématique parce qu'on arrive à la fin de la saison, donc automatiquement c'est un peu galère parce que je crois que c'est ça le problème, on doit arriver à la fin de la saison, je crois. Donc on a du maïs, ok, là on a des tomates et le houblon à ramasser. Et là je sais pas, ces petits trucs que j'ai plantés, je sais plus ce que c'est, mais il y en a qui paraissent funny, c'est un peu bizarre. Et j'ai fait tout simplement un enclos pour les poulets, vous voyez. Donc tout simplement, là, hop, dans artisanat, vous avez les clôtures et le portillon. Donc j'ai fait ça. Donc c'est plutôt sympa comme truc. Donc hop, on ouvre, hop, on clique, on ferme. Tac, 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 ça, là. Hop, on rentre, on va leur donner du foin parce que ça, il faut pas oublier de leur en mettre. Voilà, donc on leur a mis du foin. Donc ça c'est good, donc hop, on va pouvoir aller voir Robin pour pouvoir s'occuper de notre maison. Mais d'abord je vais arroser tout ça les amis. Donc une petite ellipse. Alors les amis, j'ai tout simplement tout arrosé, donc il y a encore celle-ci qui est là. Mais voilà, j'ose pas replanter des choses parce que je sais pas trop quand est-ce que la saison doit se finir. Donc c'est ça le problème. Donc ici on n'a plus rien à faire. On a vu aussi, du coup, dans la partie de record que j'avais commencé, qui a planté, on a été voir Madame Marnie. Et le problème avec Madame Marnie, c'est qu'il faut qu'on attende qu'il y ait une nouvelle semaine pour lui faire des cadeaux. Donc, on est obligé tout simplement d'attendre. Donc, par contre, il faut qu'on prenne le bois pour aller voir Robin. Et on va mettre à vendre tout ça. Parce que le blé, il n'y en a pas besoin dans les quêtes. Et le maïs, c'est celui qui est étoilé en jaune. Donc, du coup, on est embêté avec ça. Ensuite, je peux vendre ça et le houblon également. Et ça, ça nous fera encore de l'argent supplémentaire, donc c'est plutôt bien. Hop, hop, hop. Donc on a... Est-ce qu'on a des géodes à ouvrir ou pas? Je ne sais plus. Non, on n'a pas d'autres géodes, donc on avait tout ouvert. Donc voilà, il faut qu'on y aille. Donc c'est parti. Donc ouais, il pleut pas aujourd'hui, mais ça va, on n'a pas beaucoup de champs arrosés, donc on accorde l'énergie, donc c'est plutôt bien. Donc on va aller pour vous construire la maison, clairement, et ça pourrait être sympa. On pourra avoir accès à une cuisine et ça nous aidera. Ensuite, je ne sais pas ce qu'on va faire dans l'épisode. Je pensais que l'épisode allait être super, mais au final, ma première partie est foutue. Mais bon, vous voyez qu'on a un peu avancé, donc ça c'est bien. Parce qu'il faut qu'on avance au niveau de ce que l'on doit faire dans la base. Pourquoi pas aller en grotte en vrai, parce qu'il faut qu'on arrive à descendre de niveau pour pouvoir du fer, pour améliorer davantage nos outils. Et pourquoi pas améliorer notre pioche aussi, histoire de la faire passer au niveau cuivre, on ne sait jamais. Ah non, je ne me balade pas, Robin. Je viens pour améliorer ma maison. Yes, merci, je commence dès demain, je devrais avoir fini dans 3 jours. Ok Robin, merci, à la prochaine ma petite dame. On va descendre à la plage, vous savez quoi. Et on va peut-être passer chez Marnie pour discuter juste avec elle, tout simplement. Et peut-être davantage déblayer un peu notre terrain. Ça pourrait être cool, histoire de pouvoir progresser. Hop, allez, c'est parti. Ah, j'hésite, je sais pas trop au niveau des saisons comment ça se passe et tout. La dernière fois, on était embêtés parce que j'avais acheté pas mal de choses, j'avais planté plein de choses et puis on était très très embêtés. Donc j'ai fait deux quêtes également, la quête où il fallait amener le piment et la quête où il fallait le melon dans la partie de record que j'avais faite et qui a planté. Donc c'est plutôt bien, donc hop, ça on ramasse, on vendra. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser? Bonjour, bonjour la plage, y a-t-il des choses ici que tu veuilles me donner? Ah, nice, un petit oursin. Des familles. Est-ce qu'il y a autre chose? Hop, 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 hop. Ah, nice. Du corail et une palourde. Alors, nickel. On va vendre ces 4 items-là. Quand on sera à la base, ce sera pas mal. Mais avant... Ah, non. Et je me faille tout le temps, c'est pas possible. Hop, allez, c'est parti. On va aller voir Marnie. On va discuter avec elle parce qu'il nous faut notre deuxième cœur à tout prix, les amis. Pour pouvoir tout simplement rentrer chez elle et avoir le caleçon de Lewis et voir la récompense qui nous attend derrière. Tac. J'ai hâte d'avoir la cuisine parce que j'espère vraiment que ça va nous aider pour descendre dans les mines, d'avoir des choses à manger.
Parce que vous avez vu à l'épisode dernier que j'étais un peu dans la galère dans cet épisode du fail. Après l'épisode du fail, c'est l'épisode de la non-chance, je dirais, puisque bah, mon record a décidé de planter. Voilà, c'est pas mal. Et irrécupérable, quoi. Tu es déjà allé à cette étrange tour à l'ouest de ma maison. Ouais, on y est déjà allé, Madame Mardi. Une fois, j'y ai entendu un bruit terrible qui semblait venir d'un autre monde. J'éviterais cet endroit si j'étais toi. D'accord, merci. À la prochaine, Marnie. Et bye bye. Des bisous à tous. Non, je rigole. Je suis dingue des fois, les amis. Faut pas chercher à comprendre. Hop, allez, c'est parti, on remonte. Alors, on est à la base. Ah, est-ce qu'on peut déblayer? Non, ok, donc c'est bien ça. Il faut qu'on aille améliorer notre pioche pour ça. Donc, il faudra qu'on fasse ça. Ah bah nickel, je vais accumuler les jeunes maintenant peut-être. J'avais oublié qu'on les avait toutes ouvertes. Hop. Hop, allez. Donc ouais, on va déblayer un peu, vous savez quoi. Donc j'adore vraiment ce petit jeu. Bon après c'est vrai qu'il y a des moments où on progresse moins bien que d'autres. Et dans la mine je galère et j'ai quand même essayé de pêcher hein, mais il n'y a rien à faire, je sais pas. Je comprends pas pourquoi je n'y arrive pas plus que ça. Il va vraiment falloir que je sais pas, que je me cale, peut-être créer une nouvelle partie pour tester de pêcher sur un autre monde, histoire de pas gâcher les épisodes et de m'entraîner, j'en sais rien, parce que vraiment j'essaye, mais que dalle ne se produit. Hop, ce petit étang des familles, et est-ce qu'on pourra pêcher dans notre étang, tenez, je pose la question. Est-ce qu'on peut pêcher là-dedans? Parce qu'après tout, il n'y a pas de ponton, mais il y a de l'eau. Alors, on déblaye tout ça. Je vais surtout gaspiller notre énergie, entre guillemets, et dès qu'on aura dormi, on ira à la mine pour essayer de tout simplement descendre de niveau. Ça serait bien de descendre de 5 niveaux. Les 5 niveaux qu'on n'a pas réussi à faire la dernière fois. Hop. 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 C'est bien parce qu'il y a d'autres arbres qui sont en train de pousser, donc c'est plutôt bien. Comme ça, on aura toujours une production de bois. Hop. Allez, 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 allez. Eh, ils sont coriaces, hein. Non, mais je rigole. IRL, c'est beaucoup plus jeune que ça, l'arbre. C'est juste une horreur. Hop. Allez, coco. Merci. Hop. Des petits papillons, des familles. Ah, d'accord, il a frôlé en même temps celui-là. Ok, moi bien. Hop. Hop. Donc là-bas, il y a notre récupérateur de sel. Oh, nice, on a encore un truc. Hop, ça, on l'avait déjà eu. Donc, je crois qu'on va pouvoir le mettre à vendre. Hop. Des graines en vrac. Hop. Bon, écoutez, ma foi, voilà, on déblaye. Hein. C'est pas plus mal. C'est quelque chose qui est nécessaire aussi. Pour que ça ressemble à quelque chose chez nous, va-t-on dire. Non. J'ai mis ce clic, les amis. Hop. J'ai pas envie qu'il y ait d'herbes qui poussent à côté de nos récupérateurs de sève, histoire de bien les voir. Et il va falloir qu'on arrive à trouver du fer, ouais. Donc apparemment, ouais, il faut descendre à partir d'un niveau de la mine au niveau 40, pardon, pour pouvoir accéder au fer. Donc du coup, il va vraiment falloir qu'on arrive à rush davantage la mine. Mais voilà, c'est pas évident la mine, je trouve. Le système de combat est vraiment pas terrible. Mais il va falloir le faire pourtant. Hop. Hop. Hop là. Hop. On va déblayer tout ça, là, toute cette petite zone, histoire d'être tranquille. Mais c'est vrai que... On n'a pas forcément besoin de place là tout de suite, mais bon voilà, il faut gaspiller notre énergie et voilà. J'ai pas envie d'aller dans la mine et qu'il soit déjà tard parce qu'en vrai, on aura le temps de rien faire. Ah, on a eu un charbon les amis, donc il va falloir qu'on le récupère parce que c'est assez précieux le charbon. Hop, hop, allez coco, c'est parti. Eh ben, je vous promets, déblayer un terrain, c'est pas aussi facile, hein. Hier et là. Ouais, j'ai fait des drôles de choses dans ma vie. C'est un peu... Ah, l'énergie est à court. On va pouvoir casser nos petits rochers qui traînent avant.
Et 19h30, bon écoutez, on ira coucher de bonne heure, c'est pas grave, on va coucher à l'heure des poules. Hop, donc on va mettre à vendre tout ça avant, bien évidemment. Hop, allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Hop. Et hop. Ah, en vrai, j'hésite quand même à le garder ce truc parce que peut-être qu'il y aura des recettes qu'on aura besoin. On aura besoin de ça peut-être. Alors, j'ai deux glands. Ça, j'en ai. Ça, j'en ai. Tac. Tac. La fibre, on la garde. Les graines en vrac, je les garde pour l'instant. Ça, je les garde pour aller dans la mine. Ça, le bois, on le range précieusement. Ça nous servira. Tac. Le caillou, ça. Non, ça, c'est plutôt dans l'autre coffre. La géode, ici. Hop. Et hop, on va se crafter ça. Ah oui, d'accord, on a beaucoup plus de trucs au niveau artisanat, du coup, ok. Ah, d'ailleurs, avant de dormir, vous savez quoi? On va déposer l'arrosoir, la hache, ça. Et on va juste prendre ça avec nous. Donc, 18 de santé, 10 de santé. Est-ce que j'ai d'autres choses qui me rapportent de la santé ou pas? Ah, 5 de santé, ouais, c'est pas énorme en vrai. Ça, je le garde précieusement, les amis, parce que on en a besoin pour notre quête. Donc, du coup, il y a des quêtes qu'on va devoir faire plus tard. Alors, attendez, avant d'aller dormir, on va aller voir dans la petite grotte s'il n'y a pas des fruits. Nice, il y a encore un raisin. Non, une framboise. Un jour, on va y arriver. J'aurais peut-être dû faire le truc aux champignons, en vrai, parce que je me demande comment on va avoir les champignons pour les quêtes. Que les fruits, en vrai, en faisant planter des arbres, on aurait pu les avoir. C'était pas si problématique. Donc là, par contre, il a une étoile. L'ardisie aussi, mais... Ouais, allez, hop, l'ardisie, je la garde pour la nourriture. Hop, c'est parti, les amis. On va faire dodo et après, direction la mine. Hop, allez, c'est parti, fais dodo, ma petite dame. Ah, efficacité de la hache. Paratonnerre. Graines sauvages. Ah, totem téléport, plage. Ah, il va se passer quelque chose. Bon, 1300 de gold. Bon, j'ai pas mis grand chose à vendre. Écoutez, ma foi, c'est plutôt bien. Donc, on va à la mine et on verra tous les nouveaux schémas qu'on a appris plus tard. Allez, c'est parti. Bon, on a 4500, écoutez. Ah, une carte. What? C'était ça les trucs? Mais what the fuck? Non, non, je mange pas ça. Mais c'est quoi ce bordel, les amis? Alors, les trucs qui me paraissaient fanés la veille, et là, bah, je me retrouve avec plein de... Pourquoi pas? C'est quoi ce fucking jeu, je vous jure? Ah, j'en peux plus. Non! Mais non! Ah, faut que je me libère une main, parce que vous savez quoi? C'est la guerre. Ah, punaise, mais c'est quoi tous ces trucs? Ça doit vous faire marrer, vous, de me voir comme ça, en mode trollolol. Hop! Hello! Ce soir, à 22h, un rare et bel événement a lieu. Les méduses lunaires passeront par Pelicanton pour leur longue migration hivernale vers le sud. On se rassemble à la plage pour les observer. Tu ne voudrais pas rater ça. À ce soir, Démétrius. Ok, donc à 22h, les amis, il faut qu'on soit là-bas. Donc ça, non, je le garde. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça on vend aussi, tac, tac. Et ça aussi. Alors, on va mettre tout ça à vendre. On va faire pas mal d'oseille avec tout ça encore. Ah mais c'est dingue! Donc au prochain épisode, on pourra à nouveau faire des cadeaux à Marnie, les amis, donc c'est plutôt bien. Donc allez, c'est parti pour la grotte et on ira voir les méduses à 22h, écoutez. Hein. Alors, on y court, on y va, les amis, on y va. Parce que clairement, il faut qu'on avance sur ça. Allez. Hop, hop. Et j'espère vraiment qu'à un moment donné, on va avoir une arme plus efficace parce que vraiment, j'arrive pas à me défendre avec cette épée à la schtroumpf. C'est pas pratique. Alors. Allez, par là, par là. Je voudrais courir, s'il vous plaît, plus vite. Vous
vous allez finir par me prendre pour une dingue. Mais je vous jure, hein. Il y a moi et moi, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Allez. Tac. Ah, mais j'en ai marre. En vrai, nous, on saute, on passe au-dessus et bim, on n'en parle plus, IRL, quoi. On peut passer un obstacle de rien du tout, hein, enlevant une jambe. Hein. Ah, c'est parti, donc. L'ascenseur. Oh, on est qu'au niveau 10, punaise, mais j'ai vraiment rien foutu dans cette grotte. Et... Mais what? Mais... Oh, bah, vous savez quoi? On va pas se faire prier. Il faut tuer les bestiaux. C'est parti. Ouh. Allez, c'est parti. On prend direct l'échelle, on cherche pas à comprendre. Y'a rien là-dedans. Depuis quand les échelles sont visibles comme ça, là? Allez! Une mini bombe, une petite bombe. Bon, il nous faut du slime, donc là je vais le tuer, écoutez. Il est 9h50, ça va, on a du time. On est venu tôt. Par contre, du coup, je sais pas comment on va procéder parce qu'il faut que j'arrose. Et en même temps, il faut qu'à 22h on soit là-bas. Il y a quelque chose là-bas? Il y a un wagon? What? Pourquoi il y a un wagon? À quoi ça nous sert? On était déjà allé la dernière fois, mais je m'en souviens pas. Oh, pardon, ma voix part, les amis. Bon. La voix d'Elo, tu restes en place, merci. Parce que j'en ai besoin. Ok, il n'y a rien par ici. C'est parti, on va aller là-bas. Et il y a un bestiau qui arrive vers moi. Du caillou. Ok, c'est vrai qu'on en ramasse pas assez du caillou, voyons. Et nice, on a réussi à descendre. Oh là là, c'est de toute beauté. Hop. Ah, du charbon. Alors, je vais casser quand même caillou avant de trouver l'échelle. Ah bah nice. Ah là, je vous jure, je rush parce que je veux vraiment descendre les niveaux. Ah bah d'accord. D'accord, très bien, moi bien. Alors, on galère à trouver les échelles, et là, aujourd'hui, non. Non. Elles sont là par Saint-Esprit, mais voyons. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui traînent, quand même? On observe un peu avant. Ok, donc c'est juste ça. Donc, demi-tour. Tac, 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 tac. Allez, 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 allez. Donc, on va descendre, écoutez. Hein. Il y a l'air d'y avoir rien. Ah, bah, d'accord. Alors, je galère à descendre de niveau, et là... Normal. Depuis quand les échelles sont visibles dans ce jeu? Depuis quand? Hop. Ouais, je pense qu'à un moment donné, on va améliorer la pioche quand même. Mais au niveau de l'arme, je sais pas comment ça se passe. C'est ça le problème aussi. Parce qu'en vrai, si on aurait amélioré l'arme, on serait peut-être plus... Ce serait peut-être plus simple pour nous de nous défendre. Alors, je vais prendre le quartz parce que je sais que Marnie, elle aime un peu. Ça n'apporte pas un cœur à tout prix à Marnie, mais ça nous aide à avoir les cœurs, donc c'est plutôt bien. Alors, on descend. What? C'est quoi cet environnement? Mais on est où, là? Je vais prendre mon épée, ça me rassure pas trop. Ah, ah. Allez, il nous faut 99 slime pour la quête des Jumineuses, donc c'est parti. Allez, cooker! Vous voyez quand c'est comme ça? Ah, mais... J'aime pas le truc qu'on puisse pas se retourner quand on veut. C'est un peu la galère, je trouve. Mais c'est quoi ce niveau 17, là? Il est 14h, faut que je fasse vraiment attention à l'heure. Et là, il y a une échelle qui se libère. Ok, donc niveau 18. C'est quoi ce nouveau bestiau? On dirait des chenilles un peu bizarres. Oh non, j'aime pas ça, les amis. C'est quoi ce bordel? Ah, mais non!
Bah, je voulais descendre de 5 niveaux, je suis déjà au niveau 18. Bah écoutez, on aura avancé. Alors, par contre, c'est pas mon énergie qui descend le plus, c'est ma santé là, à l'heure actuelle. Alors, on va manger ça. Et oui, on va manger la petite framboise. Alors, c'est parti, on y va. Alors, il faut qu'on casse des petits trucs. On se calme. Mais c'est quoi cette bestiole là? Parce qu'il faut les tuer les bestioles parce que pour la guilde des aventuriers on en a besoin des, on a des un nombre de d'insectes à tuer et il faut qu'on les fasse donc il n'y a pas photo. Ok. Alors où est-ce qu'est la sortie? Il est 16h. Ah, je déteste ce système. Bon, j'espère vraiment qu'on va avoir une arme plus efficace parce que là, ça commence à devenir galère. Allez, ce serait dommage, on a réussi à bien descendre, j'aurais bien trouvé l'échelle là. Il y a plein d'insectes là. J'ai pas l'impression qu'ils m'attaquent les trucs, c'est bizarre. Alors par contre, lui, il va venir m'enquiquiner, mais lui, il a pas trop de PV, donc c'est pas le problème. Bon, ok, c'est pas par ici. On est au niveau 18, j'aimerais bien descendre des deux niveaux quand même, histoire d'avancer, parce que on est plutôt bien là aujourd'hui. Wow. Oh punaise, il y a plein d'insectes. Alors, s'il vous plaît, une sortie, mesdames, messieurs. S'il vous plaît, je vais atteindre le niveau 19, puis le 20. Ça serait trop bien. 10 niveaux. Ah, yes! Pardon, j'ai dû vous bousiller les oreilles. Au montage, il faut que je réduirai le son. On va remonter un peu notre santé, là. Et c'est parti. On y retourne, les amis. Allez, encore. On arrive au niveau 20 et on est bon. Donc en vrai, ça serait plutôt bien. Il nous manque encore 20 niveaux pour être bien dans cette fichue mine. Pff, du bois. Ça, c'est le truc qui m'affole à chaque fois. Du bois. Non, mais... Mec, t'as rien compris à la vie, quoi. Du bois, j'en ai plein dehors si je veux, quoi. Faut que je sois dans une fucking grotte pour que tu me files du bois, quoi. Nice! Et je suis curieuse, j'ai envie de voir. Yes, on a réussi à le buter. Il est 19h. Eh ben les amis, on n'a pas le choix. On descend parce qu'après il faut qu'on aille à la plage. Épée en acier! Ah ouais, elle va être plus rapide! Oh nice! Ah ouais, il y a beaucoup plus d'insectes. Ah oui, ok. Bon, on sort de la mine et on va à la plage, les amis. C'est parti. Et après, à la maison, il faudra qu'on arrose nos petites plantations. Hop, allez, c'est parti. Ah, c'est 22h? Attendez, je sais plus. C'était 22h ou 20h? Non, 22h, donc on va retourner à la maison, on va l'arroser. Et comme ça, ce sera bien. Attendez, là, je suis où, moi? Je suis perdue. Ah, on est devant chez Robin. Donc, on descend, on va passer à la maison pour arroser, vous savez quoi? Et comme ça, on va à la plage ensuite. Ah, je suis ravie, on est descendu 10 niveaux dans la mine. On a un peu rattrapé le nombre de fois où on s'est fait... Je me suis foirée comme une quiche, clairement, hein, pour rester poli. Mais voilà, c'est plutôt bien. Hop.
On essaiera de descendre encore de 5 niveaux la prochaine fois. On va essayer d'être un peu plus actif au niveau de cette mine. Il va être 21h le temps que je rentre à la maison. Non mais c'est... Allez, s'il vous plaît. Avance, petit bonhomme. Ah, du coup, cette épée va pas me manquer. On peut pas la mettre à vendre. Ok. Donc, comme la dague de la dernière fois, là, on peut pas vendre ça. Non, le bois, c'est pas ici. Ça, oui. Et oui, et oui. Et ça! Il nous en faut une en plus! Pour la quête des Géménos. C'est nickel. Hop. Mon arrosoir, par contre. On peut le ramasser. Je sais pas s'il nous en faut un de radis, donc je vais le garder. Hop. Ah bon, écoutez, on va à la plage et j'arroserai en rentrant parce que clairement la lueur passe vite. C'est ça le problème dans le jeu, c'est que ça passe très très vite. Donc c'est parti. Hop là. Hop. La plage est par là. C'est parti, on y va. Allez, allez, là, cours, cours. Mais il est déjà 22h, mais c'est pas vrai, on n'a même pas le temps d'y aller. Salut tout le monde! Il n'y a déjà plus personne? Ah si, ils sont là. Les méduses lunaires, je me demande quel goût elles ont. Je ne me permettrai pas d'essayer, bien entendu. Ne dis rien, Agus, mais je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas de buffet ce soir. Salut Penny! La vie est si facile pour les méduses, il y a juste à se laisser porter par le courant pour toujours. Ouais, c'est une façon de voir les choses. J'aurais dû apporter mon appareil photo, j'oublie toujours. Je n'arrive pas à croire que l'été soit fini, j'ai l'impression que ça vient juste de commencer. Ah! Ça fait beaucoup de monde pour une vieille passerelle en bois. Je vais rester là près de la plage. Non mais comment elle flippe, la madame! Les méduses étaient là il y a un an et seront de retour dans un an. La nature est incroyable. Yes. Je les ai loupées, ça veut dire? J'espère qu'il y aura des bébés cette année. Ah bah non. Bonsoir, hello, les méduses arrivent. J'en vois déjà une luisant au loin. Une fois que nous aurons lancé le bateau, elles viendront près des quais nous dire bonjour. La plupart des poissons nocturnes seraient effrayés par la lumière. Ces méduses sont étranges. Ah, encore lit. Ah non, c'est Jodie, je les confonds souvent. Là, je viens d'apercevoir un truc brillant. Oh, c'est parti. Pour l'instant, nous, on voit rien. Mais... Regarde cette étendue infinie au plus profond des océans. Toutes sortes de formes de vie se déplacent dans l'obscurité la plus totale. Inquiétant, pas vrai? Ouais. Je porte mes souliers chics ce soir. Personne n'a remarqué. Si nous continuons de polluer les océans, les méduses vont sans doute disparaître. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, le bateau part quand, là? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'en penses-tu? Je lance le bateau maintenant. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, monsieur! Alors, les méduses. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? J'adore les petits bruits. On voit le bateau partir. Très bien. Et on va voir des méduses ou pas? Méduses ou pas méduses? Oh, ouais, punaise! Oh, c'est stylé, les gens. Oh, c'est kiffant. Oh, la petite musique de famille. C'est trop beau. C'est de toute beauté. Il y en a énormément, les amis, c'est juste dingue. Donc excusez-moi, je parlais pas trop, j'appréciais la musique. Mais il y en a beaucoup, purée. Et des tout petits en plus. Le jeu est vraiment très très bien fait, hein. C'est dingue.
C'est pas un gros gros jeu, vous voyez, mais moi je trouve que vraiment il a beaucoup de potentiel et de charme. Bon, j'aime bien, on voit tranquillement la caméra bouger pour voir les personnages et tout qui observent. C'est pas mal. C'est vraiment bien fait. Et voilà, c'est terminé les amis. Donc on va rentrer à la maison, on va aller arroser vite fait. La lumière estivale s'estompe. Et les méduses lunaires reprennent leur voyage vers l'inconnu. Yes. Ah bah ça nous a ramené direct à la maison. Que demande le peuple les amis? Ah d'accord, il est minuit déjà. On arrose tout ça vite fait, on allait se coucher. Je crois que c'est la première fois que je vais me coucher avec autant d'énergie. Alors, c'est parti les amis. Donc le radis, je vais le mettre là. Avec mes carottes. Hop. C'est parti, on va aller faire dodo les amis. Donc bah écoutez, c'est le deuxième jour qui se passe dans cet épisode. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Donc nouveau schéma, élixir de vie. Plus 5 HP et niveau combat 2. Eh bah écoutez, c'est plutôt bon je pense ça. Tac tac tac. Donc on a fait 2700 dans cet épisode. Donc c'est plutôt bien, écoutez. Jour 1 de l'automne. Donc j'ai bien fait de ne pas replanter de choses. Donc hop, artisanat. Donc, il faut des champignons, morilles. Ok. Donc, il faut 4 types de champignons et j'ai pas de champignons, donc c'est dommage. Bon, bah écoutez, les amis, on se laisse là pour cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Bye bye à tous!